Bonjour à tous, nous allons parler du Cameroun. La situation du Cameroun est une situation qui m'intéresse, ça me préoccupe immensement. Nous devons comprendre que l'Afrique centrale, en général, ne nous appartient pas d'après la France. La France, elle est en train de faire voir au peuple africain que la conférence de Berlin, 1884-1885, on fait ce qu'on appelle le partage de l'Afrique. La France, au 21e siècle, elle est en train de massacrer immensément le peuple africain. Il y a des directs avant où ce que j'avais dit, que si nous ne faisons pas attention, peuple africain, nous allons disparaître de la surface en Afrique. Aujourd'hui, il y a pas mal des parents africains qui vivent dehors de l'Afrique. Mais ils étaient arrivés en Europe jeunes. Aujourd'hui, la majorité, ils ont maintenant des chevelures blanches et des barbes blanches. Mais quand ils étaient venus en France, ils étaient venus jeunes. D'autres, quand ils sont venus en Europe, ils étaient venus jeunes. Mais ils sont devenus maintenant en train d'aller à l'âge de la vieillesse. En train de prendre de l'âge. Pourquoi? Parce que, au fait, l'Africain doit comprendre que quand on a quitté l'Afrique, au fait, nous avons eu à payer des billets aller-retour. Mais au fait, vu que nous avons mis nos pieds dans les territoires européens, ça fait que nous sommes devenus des cibles. Nous ne pouvons plus bouger. C'est comme si on nous avait mis de la colle glue. Et l'histoire se répète. Souvenez-vous à l'époque de l'esclavagisme. Souvenez-vous à l'époque de l'esclavagisme. Quand les colons allaient chercher les Noirs et les ramener en Europe, aux États-Unis les vendre, dans des îles les placer. Souvenez-vous de cette époque. Il y a eu pas mal qui n'ont pas eu à revoir l'Afrique. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes des esclaves des pays occidentaux. La vérité doit être dite. Paul Biya, les gens croient que Paul Biya, le Cameroun appartient à Paul Biya. Le Cameroun appartient à Paul Biya. C'est ce que pas mal des Camerounais pensent. Mais je veux vous dire une chose. Paul Biya n'est qu'une mascarade. Paul Biya n'est qu'une mascarade. À bien voir, qui dirige le Cameroun? Croyez-vous que le Cameroun est dirigé par Paul Biya? Paul Biya, à distance, il y a une télécommande. La France appuie depuis l'Élysée des chiffres et ça tombe directement au Cameroun ou dans d'autres pays africains. Paul Biya, le psychopathe, le mythomane, le vieux sorcier des sorciers, le sanguinaire, car il aime beaucoup le sang humain. Il faut qu'il consomme le sang humain. Paul Biya aime consommer le sang humain. Il aime manger la chair humaine. Parce que c'est un cannibale. N'oubliez pas que Paul Biya est un franc-maçon. Il ne faut pas oublier cela. C'est un franc-maçon. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, parce qu'il n'y a pas que le Cameroun, toute l'Afrique va mal. Et quand je vous dis toute l'Afrique, c'est l'Afrique centrale. Elle va très mal. Pourquoi elle va mal? Parce que, au fait, les dictateurs
les dictateurs en Afrique sont tous des talibans. Oui, c'est tous des talibans. Les dictateurs en Afrique, vous croyez qu'en Afrique, les dictateurs sont des présidents? Mais ce n'est pas des présidents. Ce sont des marionnettes. Ce sont des petits préfets de la France. Et ces dictateurs sont au service de la France. Aujourd'hui, il y a des Camerounais qui se plaignent parce qu'il y a des gens qui sont allés casser l'ambassade. Hein? Du Cameroun en France et ailleurs. Mais attendez, casser les portes de l'ambassade et tirer sur exécuter des vies. Qu'est-ce qui est plus important? Casser une porte de l'ambassade, des ambassades ou la vie humaine? Les ambassades, quand les résistants, les combattants camerounais et panafricanistes sont allés donner des coups de main, de casser les portes. Mais c'est bien normal. C'est bien normal. Regardez toute la communauté internationale. Silence total sur les crimes qui sont en train de se faire au Cameroun. On tire sur les Camerounais comme des lapins. On tire sur les Camerounais comme des sangliers. Oui. Car il vous devrait bien comprendre, pas mal des Africains ont accepté d'être des esclaves. Pas mal. Il y a des gens qui aiment Paul Biya parce qu'ils en profitent d'avoir des choses derrière le régime de Paul Biya. Il y a des gens qui vivent grâce à Paul Biya. Il y a des gens qui payent leur loyer grâce à Paul Biya. Oui, la vérité doit être dite. Hein? Aujourd'hui, les Africains doivent comprendre que nous sommes mal barrés. Mais nous sommes mal barrés pourquoi? Parce que l'Africain n'aime pas la vérité. L'Africain n'aime pas la vérité. C'est comme dans ce titre j'ai dit, Paul Biya a besoin de plus de sang. Paul Biya est un franc-maçon. Les dictateurs en Afrique, tous des talibans. Les peuples en Afrique, tous convaincus d'être des esclaves. Parce qu'il y a pas mal de peuples africains qui ne veulent absolument pas bouger. Pour eux, vivre comme des esclaves, c'est magnifique. On vous refuse l'eau potable. On vous refuse les soins médicaux. Parce qu'un peuple malade est un peuple qui ne peut même pas développer l'Afrique. Le Cameroun, on tire sur des femmes, on tire sur des jeunes filles, on tire sur des jeunes, on tire sur des papas. Et vous savez, des gens qui sont en train de glorifier ce qui se passe au Cameroun. Mais c'est une honte. On ne peut pas exécuter des vies comme ce qui se passe actuellement au Cameroun. On se pose mille et questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'Africain a perdu ses repères? Est-ce que l'Africain reconnaît réellement qui il est? J'aimerais savoir. Est-ce que l'Africain a oublié réellement d'où il vient? Est-ce que l'Africain réellement sait qui il est? Est-ce que l'Africain réellement connaît ce qu'on appelle se lever pour défendre sa vie? Parce qu'aujourd'hui, les Africains, ils veulent rester les bras croisés. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que si nous ne nous levons pas pour nous lever pour qu'il y ait des changements, mais nous allons tous mourir en Europe.
et nous serons enterrés en Europe. Si nous ne nous levons pas, nous allons nous retrouver dans des caisses et nous serons enterrés en Europe. Parce que les années passent. Les temps passent vite. Nous allons finir par y rester en Europe. Car le but de la France, c'est de garder en captivité les peuples africains en France. Et l'objectif des Européens, c'est de garder tous les Africains vivant en Europe. En Europe. Car c'est une solution pour eux. Une Afrique sans le peuple africain en masse en Afrique est une Afrique meilleure. Mais tout est calculé. Aujourd'hui en Afrique, les élections présidentielles ne servent plus à rien. Aujourd'hui, maintenant, c'est ce qu'on appelle action feu, action détermination de renverser des régimes. Il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir du gouffre. Aujourd'hui, les histoires de dialogue, hein, les histoires de s'asseoir avec des dictateurs et de dialoguer. Dialoguer quoi? Les dictateurs, eux, ils connaissent que le sang humain. Les dictateurs, eux, ils connaissent que la violence. Les dictateurs, eux, ce sont les membres de la loge de France. Ils étaient baptisés par la loge de France. Les dictateurs africains, ce sont les cibles, les bienfaits de la communauté internationale. Les dictateurs africains ne sont que la double face cachée des colonisateurs. Les colons qui sont allés coloniser l'Afrique hier. Mais quand vous regardez bien les dictateurs, ils sont exactement comme ces colons-là. C'est des Noirs, hein? Mais en réalité, ce n'est pas des Africains. Intérieurement, ce sont des Blancs. Oui. L'Africain doit se réveiller. L'Africain doit se réveiller. L'ennemi juré de l'Afrique, c'est la France. L'ennemi juré de l'Afrique, je le redis, la France. L'ennemi juré qui va décimer toute une nation dans le continent d'Afrique, c'est la France. Et il est temps que les Africains ouvrent les yeux grandement. Il est temps. Les Africains doivent comprendre que l'heure, elle ne doit plus être grave pour eux. L'heure doit être grave pour les dictateurs. On ne négocie pas avec des dictateurs. On ne devient pas ami des dictateurs. Mais on doit se lever contre les dictateurs. Car les dictateurs n'aiment pas le peuple africain. Donnez-moi un instant, je vais ouvrir la fenêtre pour qu'il y ait de l'air.